Salut tout le monde, bienvenue à Leeds. Je suis très heureux de vous retrouver juste avant le coup d'envoi ici à Elland Road. Le commentaire de ce match, c'est moi, Hervé Matou. Et rappelez-vous, si je dis que vous êtes nul, c'est que vous êtes nul. C'est la première ligue anglaise qui est à l'honneur aujourd'hui avec ce match. Leeds United contre Manchester City. On va encore se régaler avec cette rencontre. D'une manière générale, on est plutôt gâté avec ce qu'on voit depuis quelques jours. On va bien sûr suivre Kevin De Bruyne, milieu de terrain belge. L'équipe à domicile, dont voici la composition. On devrait voir l'équipe en 4-5-1 aujourd'hui. On va voir comment tout cela va s'animer. Je vous laisse découvrir la composition de cette équipe de Manchester City. Ederson dans les buts. Ferran Torres sera lui au milieu de terrain, tout comme Raheem Sterling. Et en ce qui concerne l'attaque, l'entraîneur a décidé de n'aligner qu'un seul joueur en pointe. Le coup de sifflet de l'arbitre, c'est parti pour 90 minutes. En train de remonter le terrain. Oh, il n'est pas seul, il a du soutien. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon. Ah, le pressing qui paye dans le camp adverse. Oh, il peut y aller là, attention. Oh, l'ouverture du score! Déjà vu dans cette rencontre, ah, ça devrait être animé. On voit le but avec la passe en profondeur, bien donnée dans la course. Il a choisi la force à la fin pour conclure. Il n'a pas cherché à placer son ballon. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Joao Cancelo. Sterling. Ferran Torres. Phil Foden. Sterling. Kevin De Bruyne. Oh, il fallait pas se louper sur ce geste. Bien défendu. Ouais, la passe est interceptée. Ballon est perdu. Joao Cancelo. Avec Gabriel Jesus. Le ballon qui change de camp. Tir. Magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. Il est bien parti ce corner. Manque de précision sur ce corner. Gabriel Jesus.
Un ballon est perdu par Manchester City. Ah, la passe en profondeur, attention. Oh, la parade d'Ederson. Il va être à bout portant. Ce sera sans difficulté pour Ederson. Ferran Torres. Le centre était dangereux, mais c'est finalement sans conséquence. Le centre de Gabriel Jesus. Ah, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Gabriel Jesus. Sterling. Le centre capté sans aucun problème. Jack Harrison. Pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Oh là là, l'intervention là. L'erreur a été bien rattrapée, hein, bien joué dans un deuxième temps. Allez, ils vont jouer la touche. Jack Harrison. Les 30 derniers mètres. Oh, le but peut-être. Personne. Oh, la parade réflexe. Le corner en direction du point de pénalty. Ouais, sans problème pour le gardien, ce centre. Il donne un ballon piqué. Kai Walker. Allez, le centre maintenant. Ah non, le ballon est perdu. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Ah, ils continuent de développer leur contre-attaque. Il va y avoir de l'agitation et du mouvement dans la surface. Le corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Oh, c'est repoussé sur la ligne. Ah, il est bien tiré le corner là. C'est un corner qui ne va rien donner. Il porte le ballon. Oh, il peut centrer. Il faut trouver une option disponible. Le ballon donné au millimètre. Attention. Là, il fallait intervenir urgemment. Alors, touche longue ou une touche courte, on va voir. Ah, il est à l'interception. Bien sûr, un coup franc pour les Citizens. Vous voyez le rendez-vous hein, qui va vous être proposé, ce match à ne pas manquer. Je sens qu'on va vivre encore un grand moment avec ce match, hein, c'est sûr. Sterling. Le centre de Sterling qui cherche un coéquipier. Bien dégagé à ce ballon qui était dangereux. Avantage laissé à Man City. Oh, dommage cette faute, ça va donner un bon coup franc.
prend, il ne donnera rien. La frappe était cadrée, certes, mais pas compliquée à appréhender. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. Les joueurs de Manchester City qui sont revenus des vestiaires, qui courent après le score pour l'instant. La passe de Kevin De Bruyne interceptée. Les 30 derniers mètres. Il est passé. Le gardien qui écarte le danger, mais ça joue toujours. Avantage laissé à Manchester City. Il va sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Attention, le tir. Oh, le but! Hors-jeu. Hors-jeu. Position de hors-jeu. Et ce but qui va être logiquement annulé. Ah, ça s'est joué à rien. Hein. Non. Le drapeau s'est levé. Ça va être un hors-jeu. City qui doit faire un changement après cette blessure. La passe est coupée et bien défendue. Kevin De Bruyne. De Bruyne qui centre. Alors le ballon qui est dégagé. Jack Harrison. Le ballon est sorti, ce sera en faveur de Man City. Un petit peu piégé, hein. Il y va tout seul. Oh non, le manque d'inspiration, le manque. De lucidité dans ce duel, trop de précipitation. Ouais, il tente un coup, peut-être a-t-il enfin trouvé la solution tactique, hein, face à cet adversaire. Non, elle est interceptée cette passe. Vous savez qu'il y a un autre rendez-vous très intéressant, très attendu tout à l'heure. À suivre avec nous également. On devrait vraiment assister à un spectacle de grande qualité entre ces deux équipes. Il égale le jeu. Patrick Bamford. Waouh, bien vu ça. Bonne intervention des défenseurs qui a écarté le danger. Et la faute de main signalée par l'arbitre, ça va donner un coup franc dangereux, ça. Ah, c'était cadré, mais sans danger. La trajectoire a été bien lue. Ouais, la passe est interceptée, le ballon est perdu. Ah, il a vu qu'il y avait quelque chose à faire dans cet espace. Ah ouais, il fallait sortir.
sur ce ballon. Excellente anticipation du gardien. De Bruyne. Contre-attaque peut-être. Mahrez. Le plongeon énorme pour écarter le danger. Quelle parade! Un joueur frais qui fait son entrée sur la pelouse. La mission, elle est simple, hein, aider à ses partenaires à tenir le résultat. Allez, il trouve la surface de Bruyne. Et la reprise de la tête, dommage, c'est à côté. Vingt minutes à jouer dans le temps réglementaire. On cherche des solutions là. Il va être à bout portant. Oh, la parade d'Ederson. Ouais, bien tiré ce corner. Ah, le mauvais dégagement, mal fait. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. Ah, il donne le tourné au défenseur, il leur fait tout là. Ils reprennent possession du ballon. Ah, pas mal le pressing de cette équipe. Et ce ballon qui est perdu. C'est pas bien centré. Ah, récupération et peut-être une action en jeu. Oh, quel arrêt! Oh, quel arrêt! Un plongeon exceptionnel! Et on le voit avec ce changement, la mission, elle va être de tenir le résultat. Le corner, le ballon en pleine surface. Oh, la mauvaise relance. Ballon perdu là par Mahrez. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Attention, il peut centrer là. Oh, c'était dangereux, mais il a récupéré le ballon. Bien joué. Oh, attention à cette contre-attaque. Non, elle a été interceptée, cette passe. Attention à cette action des Mancuniens. Manchester City, qui a encore de l'espoir. Si je... Oh, magnifique la parade. Superbe plongeon. C'était loin d'être évident. Et l'entraîneur qui procède à un changement. De Bruyne va chercher un partenaire dans la surface. Bernardo Silva. Ah, c'est une perte de balle. Il a lu le jeu. Allez, après tout, pourquoi pas. Là, il fallait intervenir urgemment. La passe de Kevin De Bruyne interceptée. Rafinha. Correct ce tacle et l'arbitre, à mon avis, va le sanctionner. Un carton jaune pour Laporte après cette faute. On revoit le joueur se jeter sur ce ballon et à faute, bien sûr. Le ballon qui est bien parti, ça passe au-dessus. Ballon est perdu par Manchester City.
qui est donné en profondeur. Plongeon magnifique et la parade exceptionnelle de la part du gardien. Ils peuvent peut-être plier le match hein, s'ils s'appliquent bien sur ce corner. Ah, il est bien parti ce corner. Le centre capté sans aucun problème. Ah, c'est terminé cette fois. Et c'est une défaite pour Manchester City. L'équipe qui aspirait à un autre résultat, c'est sûr que c'est une déception.